Il n'y a que des boss dans ce pays. À 25 ans, le mec, il a fait 3 startups, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Mais c'est pas grave, Leonora. Ils reprennent leurs études, ils ont 35 ans. Il n'y a pas ce raisonnement-là à 17 ans, même à 16 ans, même à 15 ans aujourd'hui. Tu dois choisir ce que tu vas faire pour toute ta vie. Et attention, tu sors. T'as pas le droit. Ici, il n'y a jamais rien qui est fini, bouclé. Jamais. C'est extraordinaire. Lisa Ifergan, salut. Salut. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai que pour ceux qui regardent Insta, eh bien, tu commences à être très, très vue sur les réseaux sociaux. On te connaît sous Wonder by Liz. Tu fais plein de bijoux, plein de choses, etc. C'est pour ça qu'on est dans ton atelier. Mais avant de tout raconter, on voudrait savoir pourquoi, à l'âge de 17 ans, tu as choisi de venir en Israël. Bon, déjà, moi, je suis super contente aussi que vous soyez là. c'était pas vraiment un choix de venir faire l'Aliyah. J'étais pas plus que ça attachée à Israël. Attachée, mais comme toute personne qui vient en vacances fréquemment en Israël. C'était un peu le balagan chez moi. C'était pas top niveau familial. Et j'avais un an d'avance. Et j'ai dit à ma mère, j'ai envie d'aller passer un an en Israël pour savoir ce que j'ai envie de faire, pour pouvoir m'inscrire, parce que je m'étais inscrite à Histoire de l'art, Bidug. Quand ça existait encore. Et elle m'a dit, seule condition, c'est ok, mais seule condition, il faut que tu aies ton bac. Donc, et je l'ai eu, et je suis partie en Israël. Et ce qui devait rester un an, en fait, s'est transformé en presque 19 ans aujourd'hui. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'au bout d'une semaine, tu as appelé ta mère. Ouais. Au bout d'une semaine, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute-moi bien, je ne reviendrai pas. Et qu'est-ce qui t'a pris ? Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de ce pays, je suis tombée amoureuse des gens, je me suis découverte et je me suis sentie bien en fait, tout de suite. J'ai senti quelque chose en fait en moi et je me suis sentie en fait comprise, je me suis sentie moi. Je sais pas comment vraiment expliquer, mais en fait j'ai compris que j'étais mal en France. Et j'ai compris que ma place, elle était là. Que mon être, il avait besoin d'Israël, qu'il y avait un truc spécial où j'étais faite pour cette ère-là. Tu te sentais en symbiose avec le pays ? Ouais. C'est ouais. Ça. En symbiose avec moi-même, en fait. Alors, il faut dire que ta mère est israélienne à la base. Elle a ouais. grandi ici. Ça aussi, ça a peut-être joué Peut-être, parce qu'on a beaucoup entendu ce moment où elle a dû repartir en France et ça a été pour elle le drame absolu de rentrer. Elle était là, elle était à Ezorim, à Natania. Après l'école, elle allait à la plage, ils étaient libres, ils mangeaient des oranges. Bref, elle a plein d'histoires extraordinaires. Malgré les conditions, ils avaient une télé pour tout l'immeuble. Enfin bref, elle m'a transmis ce truc. Et en fait, j'ai compris en arrivant ce qu'il y avait ici de si particulier. Alors, tu as commencé ta vie, on va dire, en Israël, à Jérusalem, dans un programme encadré, comme il y avait à l'époque, les psychométriques, etc., pour intégrer la fac. C'était comment ? Atid et Tzion, c'était top. On était une trentaine de gosses, entre 17 et 23 ans, libres. Sans les parents, c'était encadré, mais on trouvait toujours, on savait faire. C'était génial, c'était vraiment grosse amitié tout de suite. On était soudés, quoi. On était soudés et ça s'est fait comme ça et c'était magique, des années merveilleuses. Tu parlais pas l'hébreu, alors c'est vrai que quand on est jeune, peut-être qu'on apprend plus vite, mais quand même, qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à t'intégrer, à prendre le pouls de cette société si particulière? On m'a jetée dans le bain, j'avais pas vraiment le choix. J'ai fait un ulpan, donc mon année d'intégration. Mais bon, je suis pas sortie de là-bas avec grand-chose. Hein. Et puis après, j'ai fait l'armée. Là, j'avais pas vraiment le choix que d'apprendre l'hébreu. Et puis surtout que j'étais Chayet Bodeda. Donc du coup, il fallait que je bosse. Soldate seule. Soldate seule, exactement. Ma famille n'était pas encore là. Là, j'ai quelques membres de ma famille. Mais j'avais personne et du coup, fallait que je travaille. Et comme on est dans un pays fantastique, on m'a donné ma chance alors que j'alignais pas 3 mots en hébreu. J'ai tout fait. Je les ai tous faits. Tous les bars, parce que j'étais très mauvaise en plus. J'étais très très mauvaise, donc je les ai tous faits les uns après les autres. Dès que je me faisais virer, je passais au suivant. J'étais mauvaise. J'ai fait pas mal de bars, j'ai fait des restaurants, j'ai fait des glaciers, des magasins, j'ai fait Zara, Castro, je les ai toutes faites, les enseignes. Ouais, les boulots alimentaires, quoi. Il fallait travailler. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens qui sont loin ont du mal à comprendre ou sont plutôt même admiratifs de cette jeunesse qui étudie, qui travaille, qui fait tout en même temps. Parce qu'il y a de quoi.
Il y a de quoi. Moi, je me rappelle quand je travaillais chez Zara, mes Naëlettes, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Parce que ici, c'est normal. Et c'est ça aussi qui leur donne cet atzmaout. C'est-à-dire que vraiment, ils sont. C'est comme ça, ils travaillent. Ils travaillent. En général, leurs parents, ils leur payent les études. Mais eux, comme ils ont envie de kiffer, puis se payer des voyages, parce que c'est des kiffeurs, les Israéliens. C'est des kiffeurs, donc bah, ils vont se faire leur oseille. Et je trouve ça fantastique. Avoir la valeur du travail et la valeur de l'argent à cet âge-là, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'en France, ils ne travaillent pas. Hein. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Comment tu as décidé de partir à Tel Aviv? Ça s'est fait tout de suite? Tu avais déjà un plan dans ta tête ou c'est le hasard de la vie tout simplement? Alors zéro plan, mais comme la plupart des gens avec qui j'étais sont partis à Tel Aviv et que du coup on a décidé de faire des colocations, ce qui était assez logique pour Tel Aviv, bah, j'ai suivi le mouvement parce que je ne connaissais pas du tout Tel Aviv. Vraiment, et puis en plus quand je suis arrivée à la Tachana Merkazi, donc ça a été une angoisse absolue. Pourquoi? Absolument. Bah, Tachana Merkazi, c'est. Voilà, c'est spécial. Et donc, j'ai découvert cette ville. Et alors, je suis retombée amoureuse de la ville, parce que j'adore Israël. Mais alors, Tel Aviv, c'est magique. Je suis fan. Il y a un truc ici qu'il n'y a nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alors, tu parles avec beaucoup d'enthousiasme, d'amour pour ce pays. Est-ce que le 7 octobre, ça a changé quelque chose pour toi? Ah, évidemment que ça a changé quelque chose, mais pas en mal. Ça a changé, voilà. C'est vrai qu'on a tous, je pense, une sorte de tristesse en nous qu'on n'arrive pas à guérir, quoi. On a le cœur en miettes, quoi. On a le cœur déchiré, on essaye de rabibocher, mais c'est pas évident. Et puis de toute manière, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc on essaye de vivre avec. Mais mon amour, il est encore plus là. C'est-à-dire que je comprends l'importance d'être ici. Je comprends que c'est l'unique endroit pour les Juifs d'être ici. Pour moi, il n'y a pas photo. Pourquoi? Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu le 7 octobre et il y a eu la réaction du monde. Et la réaction du monde, c'est-à-dire que on est traumatisé par le 7 octobre, mais je pense qu'on est traumatisé aussi par la réaction du monde. Et quand je dis le monde, c'est le monde entier. C'est les gouvernements, c'est les gens, c'est le public. C'est-à-dire, si tu n'étais pas juif, c'est horrible ce qui s'est passé. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu d'être en France. Quand on voit, en fait, les gens qu'on a en face de nous en France, il n'y a pas... Les gens ont quand même rentré leur mezouzot. C'est-à-dire, après le 7 octobre, après ce qui s'est passé. En plus, ça a été documenté. Mais même avec ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne passe pas. Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas être du côté des Juifs. Ils veulent haïr les Juifs et c'est comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de place en France ni ailleurs pour les Juifs. Est-ce que c'est pour ça que tu défends sur les réseaux, sur ta page? Alors, évidemment, tu vends des bijoux, entre autres. Mmh. Mais en même temps, c'est aussi une vitrine où tu ne rates pas une occasion, ben voilà, de défendre Israël, de t'en prendre à nos ennemis. Toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de grâce. Ben oui, c'est vrai. C'est quoi? C'est un truc viscéral en toi? Ouais, le sionisme, je crois que oui, c'est viscéral. Après, j'ai toujours été en mode défense d'Israël. Même parfois, je me faisais un peu l'avocat du diable parce que je ne supportais pas qu'on touche à Israël. J'ai vraiment toujours été comme ça. Et j'estime que quand on a une voix aussi petite que la mienne, hein, parce que bon, je suis pas non plus une star, pas encore. je pense qu'il faut l'utiliser. Et du coup, bah moi, je me fais plaisir et je parle de ce que j'aime et je fais ce que j'aime et du coup, ouais, j'en profite. Quand tu parles à tes followers, qu'est-ce qui t'inspire? Parce que t'es vraiment trop marrante. C'est gentil. C'est l'actualité qui t'inspire aussi? Oh ouais. Tout le temps quelque chose à dire. Donc, tu regardes les tweets de Macron, t'as du contenu pour 5 ans. Je parle même pas de Rima Hassan. Ce qui est fort, c'est que tu trouves le lien avec tes bijoux. On essaye. On essaye d'être un peu rfif comme ça. Mais ouais, il y a tellement à dire. Tu
n'étais pas du tout destinée à faire un travail manuel puisque tu as fait de longues études. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben, j'ai eu de la chance. J'ai une bonne étoile. Je crois que Dieu m'aime. Et il y a eu le corona. Je travaillais, je crois que j'étais déjà à Atsmaït. Je faisais quelque chose sur Google, peu importe. Mais j'avais, juste avant, j'avais un super poste. Je travaillais pour une boîte française, mais qui venait de s'implanter en Israël. C'était super. Je venais d'accoucher de ma deuxième. Et mon mari, à l'époque, m'avait offert une ponceuse et une scie électrique. Ouais, bon, j'avoue, c'est des cadeaux un peu chelous. Mais moi, ça m'a plu. Mais à l'époque, tu faisais pas du tout ça. Non, pas du tout. Mais j'ai toujours été un peu bricoleuse, un peu... Voilà, même si c'était pas terrible, mais ça me plaisait de fabriquer. J'ai toujours aimé un petit peu fabriquer des trucs. Tu faisais quoi à l'époque? Au niveau de tes études? J'ai fait un Torah Rishon en psychologie. Et j'ai fait un Torah Sheni en psychologie ergunite et consulting d'entreprise. Et tu rêvais de scier et de poncer? Non, pas du tout. Pas du tout, mais voilà, en fait... Moi, je suis issue d'une famille recomposée. On était 7 enfants. Et pour Hanouka, mon beau-père, il nous fabriquait une Hanoukia géante en tuyaux. Chaque année, il nous faisait une Hanoukia géante comme ça. Et mon mari m'a offert ces instruments-là. Et c'était la période un peu avant Hanouka, comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire une Hanoukia géante. Et donc, j'ai fait une Hanoukia géante. J'ai été acheter un peu de bois, un peu de trucs. Bon, elle n'était pas top, mais bon. Et je l'ai postée sur mon Instagram, mon Instagram perso. Et là, j'ai eu plein de compliments et des demandes d'amis. Du coup, l'année suivante, je me suis organisée. Et donc, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai surtout bossé sur un modèle plus petit, mais qui se faisait en kit. En kit où tu pouvais la décorer, il y avait trois couleurs. Bref, j'avais vraiment bossé mon truc. Ça m'avait fait kiffer. Et j'ai fait un carton. Ah, j'ai fait un carton. Carton plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je me souviens bien, j'en ai vendu 80. Je bossais jour et nuit, ouais. Jour et nuit, ouais, jour et la psycho dans tout ça? Eh ben, la psycho, on lui a dit au revoir. Ouais. Faut du courage pour changer de voie comme ça. T'as complètement changé d'univers, quoi. Ouais, mais ça, c'est un raisonnement de français, ça. En Israël, tout est permis. En Israël, tu peux aller à un entretien d'embauche pour lequel tu n'es absolument pas qualifié et tu peux être embauché. C'est ça qui est fou. En Israël, combien de changements de carrière? Moi, je me rappelle, dans mon Torah Sheni, ma meilleure copine, elle avait 45 ans. Et elle refaisait ses études. À la base, elle était comptable. Elle était assistante comptable. Et il y en avait plein comme ça. C'est-à-dire que... Ici, tout le monde est Atsmaï ici. Tout le monde est... Il n'y a que des boss dans ce pays. À 25 ans, le mec, il a fait 3 startups. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Mais ce n'est pas grave, l'honora. Ils reprennent leurs études, ils ont 35 ans. Il n'y a pas ce raisonnement-là à 17 ans, même à 16 ans, même à 15 ans aujourd'hui. Tu dois choisir ce que tu vas faire pour toute ta vie. Et attention, tu sors. Tu n'as pas le droit. Ici, il n'y a jamais rien qui est fini, bouclé. Jamais. Même t'as loupé ton bac, tu l'as pas loupé. Tu peux reprendre des yiridot, tout ça, j'ai compris. C'est extraordinaire. C'est ça qui t'a plu vraiment ici? Je trouve que c'est fantastique. Je trouve que c'est fantastique, justement, ce truc que tu peux tout faire. Toujours. Tu peux tout faire. Il n'y a jamais rien qui est perdu. Et puis, ça va aussi avec les gens. Les gens sont d'une ténacité. Ils sont d'un courage. C'est pas grave de prendre ses études à 40 ans. Tout le monde s'en fout. Ça choque personne. Donc ça va avec, c'est une dynamique en fait. C'est ça qui fait la particularité de ce peuple. Ouais. Ouais. On l'a ressenti encore plus ces derniers temps, cette dernière année. Ouais. C'est-à-dire qu'on le savait déjà. On le savait déjà, le chauffeur de taxi qui te dit « Tsarfati meshlaem arbe kesef », mais que, la base, mais à la fois il te raconte sa femme, sa fille, il y a tout de suite un échange qui se crée. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans ce pays. Tu perds ton téléphone, on te le ramène. Jusqu'à chez toi. Tu le perds en boîte de nuit, mais on te le ramène. Ils te trouvent là, t'es où, t'es où, t'es fantastique. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu un élan. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que ça a un rapport, ce que tu fais aujourd'hui? Créer à partir de différents matériaux, des cartes d'Israël? Exactement. Mon tout premier bijou, c'était ça. C'était Eretz Israël. En résine époxy, taillée à la main avec du bois et de la feuille d'or.
Et je l'ai adoré ce bijou, je l'ai vraiment créé avec tout mon cœur. Et c'était il y a plus de 2 ans. Et j'étais super fière de moi et j'en vendais très peu. Ça marchait pas quoi? Non, il marchait pas. Et je grognais. Combien je grognais? Je comprenais pas. C'était mon tout premier bijou et puis je le trouvais fantastique et puis il marchait pas. Le 7 octobre est arrivé et là, c'est vrai que j'en ai vendu pas mal. Mais et puis aujourd'hui, tout le monde fait d'Israël, mais moi, j'ai toujours été à fond avec à fond Israël, quoi. C'est vraiment passion, passion Israël. Combien je love my job! Story time! Il vient ce jour où elle m'envoie un message. Et ce message, alors je peux vous dire que je me suis appliquée, mais comme jamais elle m'a changé. Les fleurs du Birkat Habayit et tout, d'habitude, j'envoie tout le monde au bois. Ah non, tu fais pas l'alia, tu sautes. Les traitements de faveur, c'est que si tu fais l'alia. Chouf la beauté. Toi et ta famille, Bruchim Abayim, Abayita. Qu'est-ce que tu as envie de dire à certains qui hésitent à venir, qui hésitent à envoyer leurs enfants, qui se disent qu'il y a la guerre, que c'est dangereux, qu'il faut faire l'armée, que... J'ai envie de leur dire, viens, tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi. Tu vas galérer. Tu vas vraiment galérer. Ça fait peur, ça, quand on dit tu vas galérer. Mais c'est pas les mêmes choses. Souvent, je dis qu'en France, t'as des soucis que t'as pas ici. T'arranges ta cuisine, tu refais ta cuisine tous les 5 ans. Mais ici, on s'en fout de la cuisine. Ici, on s'en fout, tu vas acheter une bière à la Macolette, puis tu vas à la plage. On n'a pas les mêmes aspirations, quoi. En France, si tu veux profiter, tu planifies des vacances. Et si tu veux profiter, c'est dans ton quotidien. Il n'y a qu'à voir les terrasses de café. Ils sont tout le temps pleins. Donc, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils travaillent, les gens, hein, qui kiffent. Alors, il y a l'envers du décor. Ça, ils travaillent dur, etc. C'est certain. C'est quoi l'envers du décor? Rien quand on voit les prix à Tel Aviv. C'est très cher. C'est très cher. C'est un pays qui a tout... C'est des gens qui ont tout le temps quelque chose à dire, qui manifestent tout le temps, etc. Mais il y a quelque chose ici que tu trouveras jamais ailleurs. Mais il y a qu'à voir de toute manière tous les Israéliens qui grognent leur pays, qui grognent Israël. Ils partent. J'ai vécu 10 ans à New York, j'ai vécu 5 ans au Costa Rica. Ils s'en vont. Ils reviennent tous. Mais ils ne le savent pas encore. Mais quelqu'un qui a 50 ans, il te le dira. Qu'est-ce que tu préfères ici? J'irai la liberté qu'il y a ici, qu'il y a dans l'air. Le fait que tu peux faire ce que tu veux, tu peux porter ce que tu veux, que personne ne va te juger. Bon, y a toujours des tocards, hein, partout. Mais ici, il y en a moins que... Il y en a moins qu'ailleurs. Et puis cette liberté que tu as de t'exprimer, cette facilité de communication, ce truc où tu... Ouais, y a pas de chichi, quoi. Cette politesse qui sert à rien, là. C'est quoi ta plus grande fierté? Bah, c'est d'avoir fait l'armée, je crois. C'est vrai? Ouais. J'en suis très fière. J'en suis très fière, même si j'ai pas fait quelque chose de fou, hein, mais j'ai donné de mon temps. J'ai participé à mon pays et j'ai suivi mes valeurs et j'en suis très fière. Ouais, j'étais Macha Kitak Sivim. C'était pas extraordinaire, hein, mais j'ai fait mes 2 ans. Ça consistait en quoi? Je recevais les demandes, les approbations de budget pour des Yom Kef, etc. Je vérifiais qu'il y avait bien le budget, puis je validais, puis j'organisais tout ça. C'était ça. J'étais dans une bassiste patouar. Je rentrais chez moi tous les jours. Enfin, j'allais directement au travail. Mais bon, voilà, j'ai fait et j'en suis très contente. Et alors, j'en suis très fière. Mais quand j'ai montré la photo à mes filles, alors là, hein, c'était la folie. La photo de maman Khayelet. Qu'est-ce que ça fait quand on a ton parcours d'élever des enfants ici? Oh, j'en suis tellement contente. Tous les jours, je me dis que je suis tellement heureuse d'être là et je suis tellement heureuse qu'elle soit née ici, qu'elle soit israélienne. Quand je vois ce qui se passe en France, ils ne peuvent pas dire ça dans la rue, ne dis pas Shabbat, ne dis pas Israël, ne dis... Je me dis, mais j'aurais jamais voulu confronter mes enfants à ça. Je préfère les confronter à « il faut aller dans le mamad » que « ne dis pas que t'es juif ». C'est difficile, ça, d'expliquer ce qu'on a vécu à des petits-enfants, ce qui sont petits, je crois, les tiens. Ouais, les miennes, elles ont 6 et 7 ans. Mais j'ai de la chance qu'elles ne sont pas sur les réseaux, quoi, parce qu'elles sont petites. Ouais, c'est délicat, mais encore une fois, je préfère encore ça. Largement.
largement parce qu'elles elles vont grandir comme des vraies Israéliennes. Elles vont comprendre pourquoi elles vont aller à, pourquoi elles vont aller à l'armée. Elles vont comprendre ce que c'est Israël et qu'on a de la chance d'être ici, mine de rien. Elles vont comprendre ce que c'est. Malgré tout ce qu'on a passé, en tout cas tes paroles font du bien parce que c'est vrai qu'on a une année tellement difficile et ouais. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui fait que tu gardes cet optimisme-là? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, je crois que c'est notre lot. Mais ça va aussi avec toute la grandeur du Ham Israël, quoi.